Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonsoir en fonction de votre localisation géographique. Donc ici c'est Laure Koubo. Je vous parle et je voudrais bien aborder le sujet de la foi. Bon, je vais attendre que quelques personnes se connectent. Vous êtes sûrement tombé sur ma page, ça fait quelques temps. Et vous êtes passionné, vous vous dites « Waouh, elle me parle de moi, elle me dit ce que j'ai à l'intérieur de moi. » Ça résonne tellement quand elle me parle et tout ça. C'est très bien. It's very good, that's good. Maintenant, vous allez devoir y mettre du travail. Beaucoup de personnes sont des paresseux spirituels. Beaucoup. Bonsoir Ampure, bonsoir Marie-Sylvie. Bonsoir. Bonsoir Rose. Bonsoir Mila. Le chat. Bonsoir la reine Bemba. Je vais vous prendre un peu dans les choses un peu plus charnues, ok? Je vous donnais un peu l'entrée jusqu'à présent. Là, je vais un peu toucher sur le plat de résistance. Mon but, c'est de vous faire mûrir. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà mûrs, mais vous attendez qu'on vienne vous cueillir. Bonsoir la reine Maïmouna. Bonsoir le roi Serge. Bonsoir la reine Diane Djepal. Bonsoir le roi Fogam. Bonsoir, bonsoir la reine Maïmouna. Soyez les bienvenus. Namaste. J'espère que vous avez passé un super week-end. Vous savez, on aime bien le nom de roi, reine. Avant que tu aies droit à quelque chose, tu as des devoirs. Bonsoir Elodie Bemba. Bonsoir la reine Djoko. Avant que je n'ai droit, j'ai devoir. Je dois. Avant que je ne dise que j'ai pris ma licence, je dois travailler. Avant que je ne mérite mon titre de reine, queen, queen. On ne parle pas seulement comme ça. Si on va t'appeler queen pendant 2 jours, ça va finir. Bonsoir la reine Kenyé. Bonsoir Mireille. Bonsoir la reine Aniston. Bonsoir la reine Ombele. Bonsoir la reine Jenna. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous. Le smoothie est là aujourd'hui. J'ai apporté le smoothie moi-même. Je n'attends pas le roi Feuillet. Bonsoir la reine Dominique. Bonsoir la Linda, la reine Linda Queen. Aujourd'hui, on fait la réunion des gens sérieux. Je crois que vous avez remarqué que si vous ne bougez rien dans votre vie, rien ne bouge. Si vous ne déposez pas vos dossiers dans une entreprise, on ne va pas vous appeler. Vous ne marchez pas pour votre vie ne va pas avancer. Je vous le dis gentiment dans l'amour, dans la paix du Christ. J'ai parlé des choisis. Je parle toujours des choisis. Quand un choisi rencontre un autre choisi, personne ne donne le pouvoir à l'autre. Do you get me? Bonsoir Thiofak. Personne ne donne le pouvoir à l'autre. On s'active. On dit je te fuis, tu me suis, je t'active. Tu m'actives. Laurent Feuillet, tu riais. J'ai trop attendu le smoothie. J'ai appris un barman, il sait le smoothie. Donc quand tu arrives, tu t'assois, tu bois une fois. Bonsoir Lumière. Bonsoir Dora. Bonsoir Carlos. Bonsoir Nina. Superman quand il avait 5 ans et Superman à 32 ans, c'est le même pouvoir qu'il y a dans la personne. Juste Flora, ça ne t'a pas encore dérangé. Quand on me contacte souvent, oh ma vie, ma vie. Je te dis ce qu'il faut faire, tu pars, tu tournes. Un mois plus tard, tu me reviens encore. Wow, ma vie, ma vie. La vie, c'est le travail. Si tu es paresseux physiquement, même spirituellement, tu dois travailler. Oh, gofa. Puis là, bonsoir. Bonsoir, le roi Thibault. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Il y a la différence entre le travail que je fais depuis des années, on ne voit pas le résultat. Chaque mois, tu touches 1200, 1500, 2000 euros. 15 ans plus tard, on ne voit pas ce que tu as fait avec l'argent. Il y a la différence entre ça et le genre de travail que c'est que je connais qui je suis. Je connais ce que Dieu m'a donné. J'ai confiance en moi et en Dieu qui m'a envoyé. Je sais que les portes sont ouvertes. Parce que, et les portes ont ouvert, pas par hasard. Parce que j'ai fait ça et ça et ça a ouvert ma porte. Quand Abraham a envoyé son fils, quand le père Dieu a appelé Abraham, Abraham s'est levé et il est parti. Quelques versets plus tard, le voilà qui commence à donner, il met l'autel. Il donne l'offrande. Quelques versets plus tard, Dieu lui dit, je te fais encore la promesse. Prends l'oiseau, tu prends le chèvre, tu coupes en deux, il coupe au milieu, il vient, il l'ouvre, il dépose devant Dieu, il dit Seigneur, voilà le sacrifice. Il y a un niveau spirituel où vous allez arriver, vous allez sortir de la bêtise. Vous allez sortir de la bêtise. Vous allez commencer à agir. Beaucoup d'entre vous, vous êtes censés être voyants. Hein? Vous êtes encore là, vous suppliez les gens alors qu'il y a le don en vous. C'est en vous. Bonsoir Clarence Mécou. Attendez, salut encore les gens. Je salue encore. Nadège, mon palier. Bête Véronique. Amgaka. Djongaka. Djongaka. Apianya. Ngoyou. Non. Nyuro. Voilà. Bonsoir la reine Erika Miligui. Bonsoir la reine Tatiana. Genfak. Bonsoir la reine Morel. Ta vie ne va pas bouger seule. Depuis 15 ans que tu attends là, ça a bougé. Depuis 15 ans que tu attends, ça a bougé. Non, toi-même. Ça a bougé. Einstein avait dit que c'est la folie de faire les mêmes choses. Ils attendent à des résultats différents. Suzanne, je n'ai pas vu ton bonsoir. Bonsoir Suzanne, la reine Suzanne Croft. Et toi Lumière, ce n'est pas que tu ne sais pas utiliser. Ce n'est pas que tu ne sais pas. Même si vous pensez que vous n'avez rien comme don. 1 roi chapitre 3. Il y a les gens dans la Bible qui ils n'étaient personne, rien dans rien. Bonsoir, Pape Duchesse. Hortense, la reine Hortense, bonsoir. Ninon Kamal, bonsoir. Il y a les gens dans la Bible que il n'est rien dans rien. Il dit que Dieu, appelle-moi. Donne-moi les dons. Donne-moi les dons. Hey. Que Seigneur, je suis dans la ring. Allez voir 1 roi chapitre 3, je vais lire avec vous. Sylvie, bonsoir. Aïe, prenez vos bonsoirs, prenez. Rosaline, ça n'est pas tu nulle part. Le mépris, tu vois que les gens peuvent te maîtriser. Attends, tu parles. Ce sont eux qui t'ont donné. Qui parmi tes parents connaît comment on forme le nez de quelqu'un? Vous faites vous donner votre puissance aux gens. Ne m'énervez pas. Aïe, 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 aïe. Quand tu connais qui tu es. Aïe, attendez, lis d'abord ça, attendez. Piap, piap, oh piap. Bonsoir, Bargo. Piap, Gochan. Vous aimez les formules qu'on vous dit qu'abracadabra, pif. Oh, puis tu ne sais pas que ça va te demander. Tu vas dépenser. Je me moque souvent des vieux que vous dites que. On te dit que donne 5 € de francs. Dieu te dit donne 5 €. Donne même 50 € à l'orphelinat là. Ah Seigneur, je n'ai pas. Je vais vous montrer dans la Bible. Quand vous pensez que les dons là, ça sont seuls. Bonsoir Sido Marty. Bonsoir la reine Esther Niaga. Attendez, je lis. La Bible, c'est mon épée. C'est mon épée. Salomon était le fils de David. Vous connaissez David, non? Avec sa grandeur, là. David, l'enfant que Dieu aimait. Oh, son cœur après le cœur de Dieu. Oh, David a fait ceci. David a quoi? David a fait... David a... Ok. Salomon grandit lui-même, il dit que vraiment, le genre de père, c'est là. Je ne pense pas qu'il peut faire quelque chose contre toi. Mais il avait une cartouche, il avait un secret. T'es méga, mamie, Kenya. Okara méga. Tam, dia. Pardon, il faut pas, pardon, sautez. Sautez. Vous avez les dons. Vous n'avez pas 1000 francs pour mettre le crédit pour m'écouter. Bientôt, je vais commencer à lancer les directs Facebook, YouTube. Vous allez partir là-bas me donner les vues sur YouTube. Salomon connaissait les stratégies, les tactiques. Les tactiques maniaques à bobé. Judith, bonsoir. 1 roi 3, je vais vous lire. Si quelqu'un a un problème avec la Bible, je ne m'excuse plus, mon. Je ne m'excuse plus. Si quelqu'un lit la Bible, ça écorche tes oreilles. Pardon. Clarence Mokou, tu dis que quand tu traverses ces moments difficiles, tu doutes de toi. C'est ce que tu te dis pour douter de toi. Comme tu es là, personne ne peut rien te faire. Tu crois que ta force vient dans l'argent que tu as. La preuve, quand tu vas voir l'argent, tu vas commencer encore à checker ta poche tous les jours. Hey, il ne faut pas que l'argent se finisse. Hey, il ne faut pas que ça finisse. Oh. Bonsoir Samuel. Parce que tu as peur. Salomon n'était pas aussi doué. Salomon connaissait que moi, mon cœur n'est pas sur Dieu. Vraiment, moi, je suis là. Je suis seulement là. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il est même parti se marier. Bonsoir, Feuillot. J'étais ravi depuis longtemps. J'ai attendu le smoothie, tu n'as pas donné. Je suis allé prendre un barman pour qu'il me fasse le smoothie, Feuillot. Le roi Feuillot. Bonsoir, la reine Charlotte. Je te guette, Voilà mes invités, ils boivent le matango. Continuons. Bon, ça a un peu coupé parce qu'on m'a appelé. Donc, Salomon est même d'abord parti se marier avec l'ennemi de Dieu, le roi, le pharaon, la fille de Pharaon. Verset 3. Je n'interprète pas les rêves ce soir, je vais vous expliquer la parole. Vous aimez aussi trop seulement que les fables. Vous n'aimez pas qu'on vous montre comment avoir votre force. Non. Vous n'aimez pas. Est-ce que tu sais que tu peux te lever, tu demandes au Saint-Esprit de t'interpréter ça? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut t'interpréter le passage que tu as eu là? Ouais. Mes frères, mes soeurs. Ouais. C'est comme ça qu'on fait, les gens vous attrapent avec n'importe quoi. Je vais vous mettre la parole. Tu restes, le discernement est capital pour ta vie. Vous allez rencontrer des décepticons partout. Pasteur, Decepticon. Amamo, chéri, Decepticon. Même les frères, soeurs, cousins, Decepticon. Oncle, tante, Decepticon. Christophe Faufier, moi je vais même d'abord t'enlever. Moi je ne vous supplie pas aujourd'hui. Je ne veux même pas. Je bloque jusqu'à le feu sort. Bonsoir le roi Changa. Seigneur, bénis ta parole. Bénis toute personne qui va écouter ceci. Que l'entrée de ta parole dans l'herbe oreille apporte la lumière. La lumière. Je commande à vos neurones de s'activer quand vous écoutez ceci. Je commande à vos neurones de s'activer. Je déclare que vous recevez les réponses que vous avez attendues depuis là. Voilà. Salomon aimait l'Éternel. Jocelyne aimait l'Éternel. Et elle suivait les coutumes. Les coutumes de qui? Pardon, allez dans le passage, là, vous regardez. Les coutumes de son père David. Je vais vous donner les solutions à vos problèmes de longtemps, là. Les problèmes de longue haleine, là. Voilà le premier passage qui est plein hier. Et toi, lumière, elle va te bloquer. Tu as compris, non? Tu es égoïste. Je te bloque même maintenant. Mince, j'ai la main pour bloquer ce soir. Hein. Comme le fusil. Vous venez, vous allez trouver mon direct, vous enlève. Vous bloque. Mon rêve, mon rêve, mon rêve. Tu peux écouter ce qu'elle te dit là, ça t'aide même. Jocelyne aimait l'Éternel. Et elle suivait les coutumes. La Bible a mis de David, la Bible a précisé que son père. Beaucoup d'entre vous, vous êtes perdus parce que vos parents ne vous ont pas montré les coutumes. Vous êtes perdus. Tu oses la roha. Ah, tu sais, moi je ne connais pas. Hein. C'était le truc que mon père faisait. Ton père, mon père est mort depuis 15 ans. Tu es là comme ça, là, en chouchou. Les illettrés, là, vous allez devenir lettrés. Vous allez apprendre. Vous allez mûrir dans la spiritualité. Degré de force. Vous ne voulez pas vous déliker ma page, vous partez. Ah, Seigneur, Seigneur. Vous savez, j'ai passé trop de temps, j'ai souffert. J'ai yolongo, comme on dit là. Ngoyongo. Tu fais un truc, ça ne marche pas. Ça promet un peu, après, ça déconne. Ça fait un peu donner. Ça... J'ai pris que Seigneur, je jeûne. Seigneur, je pars à l'église, non. Qu'est-ce que je ne fais pas, Seigneur? Tu cherches sincèrement. Le bon moment, Dieu va te donner tes solutions. Attendez. Beaucoup d'entre vous, vous avez négligé les coutumes de vos parents. Ton père a vécu, il a eu tout son succès. Et aussi, certains pères, même, ils n'ont pas pris la peine de montrer certaines choses à leurs enfants. Quand Salomon grandissait, il remarquait que chaque mois, chaque 6 mois, chaque je ne sais quoi, papa part à la montagne là-bas. En partant, il part avec 50 chèvres. Il égorge, il sacrifie à Dieu. Après, bah, il partage ça aux villageois. Écrivez, je vous donne la sagesse. Je mets la sagesse en vous. Vous allez serais sorti de hey, je ne connais pas ce qui m'arrive. Je ne connais pas. Oh, ma reine. Oh, Miekaja. Oh, je. Oh, je. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu as écrit. Hein. Bonsoir, Eta. Sandrine Dominique. Vous connaissez écrit. Hein. Bonsoir, Coco. Franck. Vous avez l'autographe de ça. Que. Tu restes comme ça depuis les 6 dernières années. Chaque année, tu as une nouvelle chance. Vous ne vous mariez jamais. Tu ne t'assois pas pour faire ma calcul, ma plan. Il y a quelque chose dans la fesse-ci. 6 enfants avec 6 mères différentes. Personne n'est chez toi. Ça te donne... Lisons. On est qu'à un passage de la Bible. Fais-moi les... Ah, c'est bon. Va encore mettre 100 enfants pour les mégas. Un roi. 3. Bonjour Mbang, bonjour Kamgeng, bonjour Judith. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Ça veut dire qu'il restait. Il cherchait même encore une autre ville. Il part même dans la ville qui n'est pas sa ville natale. Il part là-bas, il sacrifie. Je prends dans la Bible pour vous enseigner. Oh Joa, celui qui est fort écrit Ngoyou. Mon enseignement d'aujourd'hui là, hey, Seigneur. Merci Seigneur, merci. Bonsoir Flore Touko. Non, l'ignorance n'est pas bien. Sur les faits, mon chose, ça dérange les gens. La jalousie n'est pas bien. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment quand vous êtes triste. Oui. Donc moi tu ris un peu, ta chute te plaît là et que non, non, il ne faut pas qu'elle soit heureuse. Ça me plaît parce que la sagesse est en train de tomber sur vous que bah, Ngoyou, maman, maman, oh, les versions de Ngoyou, oh. Ngak, ngak, ngak. L'autre ami que joue est. Attendez, lis-moi ma Bible, pardon. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Quand je parle, ceux qui lisent entre les lignes vont comprendre. Ils partaient même dans des endroits où ce n'était pas leur endroit à eux. Monsieur Foyo. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Bonsoir, Prudence. 1000 holocaustes, bonsoir Chapi. Pardon, partagez ma vidéo. Le soir de parler, c'est sucré dans ma bouche. C'est sucré dans ma bouche. Tous les décepticons là, je vais les jeter. Je vous bloque direct. Ne me blague pas. Mon doigt aujourd'hui, c'est la carabine. Il a mis, ça veut dire qu'il est venu avec 10 000 offrandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tant, 908, 909, 998, 999, 1000. Maman, Nestor Calvin, oh, tu as fini, donc te donne le diplôme, tu as gagné. Ou tu as vu ça que, oh, tu as vu l'exactam sur ça que, oh. Donc, Salomon a fait le jacquet, même si Dieu n'avait pas trop prévu pour lui. Dieu va regarder comme cela. 500 offrandes, 700, 800, 900. Ok, Michael, Raphaël, pardon, descendez, descendez. Descendez. Le gars, s'il me provoque, il me cherche. Regardez ce qui se passe. Ceux qui ont fait le travail spirituel avec moi, vous-même, vous connaissez comment il fonctionne. Tu as rêvé de quoi? Qu'est-ce qui t'est venu? Tu t'es rappelé de quoi? Merci, amen. Je reçois la bénédiction. Alléluia, amen, 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 amen. Vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai dans mon cœur aujourd'hui là. Les décepticons ont été démasqués. Attendez, lis-moi ma chose. Verset 5, 1 roi 3. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Son père n'était pas là-haut. Son père n'était pas là. Si chaque holocauste coûtait 20 000 francs, supposons que c'était seulement la poule. La poule de 3 000. Multipliez la 3 000 là par 1000. Vous voyez combien il allait dépenser 3 millions de francs CFA. Seulement pour les offrandes. Il part, on dit que pas à tel endroit donné, il part, il fait. Pas à tel endroit, tu sacrifies 50 poules, il part, il fait. Pas là-bas, tu sacrifies un bœuf, il part, il fait. Pas là-bas, tu fais ça, oh, pas là-bas, tu fais ça, oh. 3 millions. Ça, c'est le moins cher. Le moins cher. Les choisis ne doivent pas être pauvres. La pauvreté n'est pas votre portion. Pauvre joie. Je vais vous faire le coup de badjounet d'abord. Oui. Tu ne peux pas être pauvre et tu es choisi. Il y a un travail où on va te dire que mamie, sur l'autre aussi, il faut 400 000. Tu fais un. Tu dis un. Hein? Oui. Achète ça. Achète ça. Achète ça. 250 000 au sol. Ok. Prends maintenant ça. Ça. 150. Apporte maintenant le cash de ça. Ah non, moi, je ne vais pas te sortir mon argent pour ça. Ah non, 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 non. Ne te dérange pas. Tu vas passer encore 5 ans dans la même situation où tu es là. Je veux que vous puissiez, vos yeux donc, j'ai fait la consultation avec une femme aujourd'hui. Quand elle prend le téléphone, on commence à parler. Elle-même fait son propre diagnostic. Elle fait son propre diagnostic. Elle me dit que ma reine, voilà ma vie. 2001, ça s'est passé. 2007, ça s'est passé. Voilà, je tourne en rond depuis 2006. Voilà, depuis que j'ai eu telle personne, premier enfant, le père est parti. J'ai fait 2 enfants avec un autre. Après, il est parti. Ok, maintenant, il vient me... aïe, 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 aïe. J'ai dit, c'est bon, tu écoutes mes vidéos, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah bon. Il y a des gens qui ont l'abonnement, comme on fait Netflix là, ils ont l'abonnement chez le marabout. Contre votre vie. Ils checkent vos statuts. Ils checkent fidèlement vos statuts. Dès qu'on voit ton visage briller un peu comme ça, là, ton front, on dit que, hey, madame, c'est comment? Elle a dit, je vois briller comme, elle n'a pas acheté la voiture. Non, non, elle a acheté la voiture. Il faut combien? 100 000. Ok, c'est bon, je t'envoie ça. OM, je mets même les frais de Suisse, 10 000 francs de frais. Toi, tu es là, on dit, oh, donnez même la dîme seulement à l'offrande. Hein, pasteur, vous exagérez. Hein? Bonsoir Adrien Djamin. Bonsoir et bienvenue mes chers frères et sœurs en Christ. Bonsoir. La reine Mpongo, bonsoir. Le travail spirituel qui est censé vous donc... Ce n'est pas que vous êtes faible. Voyez-vous comme quelqu'un qu'on a pris les choses, on a déposé sur toi. Voilà, je vais voir une de mes écharpes que j'aime beaucoup. Tu prends, tu déposes. Quand elle dépose ça sur moi, je ne pèse plus de la même façon. Supposons que cette écharpe pèse 10 kilos. Je suis la même, mais je suis sous l'écharpe. Vous voyez? Je suis couverte de l'écharpe. Vois comment les choses qu'on met sur vous vous dérangent. Bonsoir Béatrice, bonsoir la reine Meka. Ce n'est pas que tu es faible, hein, ma chérie. Ma reine, tu n'es pas faible. Bonsoir, le King Thomas. Tu n'es pas faible. Ça vous est pas encore arrivé quand on dit que ma chérie, tu es belle. Ma chérie, tu prépares bien. Ma chérie, tu as les formes. Ma chérie. Mais on ne sait pas pourquoi. Now, wife material this now. What did it happen? Now, what did it happen now? arrivez à un moment de votre vie où vous commencez à calculer, plan. Première chose qui est attaquée, c'est généralement vos finances. Après, c'est l'amour. Parce que l'ennemi connaît. Et quand il attaque souvent tes finances, tu le jacques, tu jeûnes, tu récochakarababo santé. Tu es la plus pauvre de ton église. Le Seigneur le fera. Bonsoir Ngassa. La reine Ngassa, bonsoir. Bonne arrivée, ma reine. Pose for the camera, baby. Je pose pour la caméra. Comment vous allez ce soir? Comment vous allez? Je suis là pour vous. Je vais vous malaxer un peu le cerveau là. Je vais secouer la bouillie qu'on a mis là. Je vais ça aujourd'hui. Je suis venue disséquer. J'enlève ça, je sèche. Après, je remets encore en place. Pour commencer à réfléchir sur votre vie. Ah, tu sais, ma reine, je prophétise. Je t'impose les mains, les gens sont guéris. Tu n'as pas les papiers. Tu n'es dans rien. L'argent, tu n'as pas. On m'a envoyé un voice là en bandounet l'autre jour. Capon. Que tu arrives à la réunion comme ça là. Je crois que c'est dans le groupe des choisis que quelqu'un a même posté ça. Dit, tu es le grand frère, tu arrives. Non, tu es le petit frère. Parce que tu as garé la voiture, on a sorti 10 casiers de vin ou bien de whisky. On demande à ton grand frère de se lever. Lucie, Lucie, et sort. On l'appelle fort. Oh, c'est comment? Bonsoir Pessa, comment tu vas? Arrêtez d'accepter le manque de respect. Arrêtez. Je vais prier pour toi. Quelqu'un est quand même heureux quand tu vas le visiter avec l'argent. Ou avec un cadeau que tu as apporté physique. Ce qui fait que quand tu pries pour lui, après tu donnes encore. Ça a un autre goût. Que sinon, je vous dis moi ma vérité. Je vous dis. Je vous dis. Tu as les crucifix sur toi partout. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand quelqu'un est malade dans la famille, on ne peut que te demander les prières, c'est tout. On ne peut pas dire que c'est pour cotiser là, il faut que tu vas me donner quelque chose. Quelqu'un cap. Quelqu'un cap. Il n'est pas l'argent. Franck, je n'ai pas encore fini avec vous. Je vais vous décortiquer. Vous allez rester dans votre lit la nuit comme ça, là. Vous allez vous lever pour travailler. Vous allez vous lever demain, vous allez partir au travail. J'ai l'onction pour enlever la pauvreté sur les gens. Si elle enlève, ça veut dire que toi-même, là, il y a le mensonge dans toi. Parce que quand tu cherches sincèrement, j'ai été pauvre dans ma vie. J'ai été pauvre. Le genre, quelqu'un prie même, je n'ose même pas prier pour quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui avait fini de prier là, même pour rentrer. C'est lui qui m'a encore donné le taxi. À Capon. À Capon. Bon, traduction, ce n'est pas bien. Arrêtez de vous dire, oh là, dans le temps du Seigneur. En son temps. Voltaire, je vais bien jusqu'à le hey Gassa, bonsoir. Bonsoir Kameni, comment tu vas? Le roi ou la reine? Je vois Arsène, je ne sais pas si c'est fille ou garçon. Wansi, je ne sais pas si c'est fille ou garçon. Le chat ça. La pauvreté ne peut pas sortir de votre vie quand vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Et les choisis, hein, vous avez les dons. Dormez avec les cahiers à côté de vous. Ceux qui sont avec moi en formation, là, ils vous disent non. Achetez-moi même 4 cahiers, même 5 cahiers. Vous allez remplir les cahiers, là, vous allez encore remplir l'autre. Tout ce que Dieu vous a montré à cela 10-15 ans, ça va revenir. Mais ça va revenir avec plus d'onction, l'onction de vitesse. Quand il te disait ça fait 15 ans, il te disait que dans son temps, je l'accomplirai. Maintenant, quand il te parle dans la dimension ciel, il te dit que dans quelques jours, va faire. Souvent, quand on le sait, il te montre dans la nuit, il te dit, lève-toi, tu fais ça demain. Imaginez si chaque nuit, vous rêvez de quelque chose qui va vous donner 1 million. Et vous mettez en pratique dans les 2 jours qui viennent. Ça veut dire que tous les 2-3 jours, tu as 1 million qui entre. L'onction qu'il y a sur moi ce soir-là est... J'ai envie de... Hey, chakarababakasa. La pauvreté n'est pas bien, la pauvreté n'est pas bien, la pauvreté n'est pas bien. Tu restes dans la nuit comme ça, tu réfléchis. Tu réfléchis, ma calcul, ma plan. Tu réfléchis. Tu réfléchis. Tu réfléchis quoi? mettre les mégas, c'est une science. Si tu es encore au niveau des mégas et que tu es choisi, arrêtez de dire que le temps de Dieu. Arrêtez. J'ai lu le passage ici pour vous montrer. Je veux qu'on continue pour que je vais vous montrer encore. Salomon, que vous voyez ici là, vous pouvez même écouter ma vidéo. Hein. Vous dites que Seigneur, je vais mettre ceci au test. Je vais mettre ça au test. Il me reste 50 € dans mon compte bancaire. Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Je vais prendre 40 € sur ça. Je fais quoi avec Seigneur? Il peut te dire, va donner à l'orphelinat. Il peut te dire, achète, tu vas dans la rue, tu donnes au mendiant. Je ne sais pas. L'esprit vous guidera. Pas tu fais. Seigneur, voilà mon offrande. De la même façon que tu as parlé à Salomon quand il t'a donné ses offrandes. Seigneur, parle-moi. Localise-moi. Regardez la suite du processus. Parce que parfois, quand on vous enseigne dans vos églises, on ne vous donne pas tout le processus. Parce qu'on ne veut pas que vous soyez indépendant. On ne veut pas que vous soyez indépendant spirituellement. Poyou. Il dit, je réponds pas aux questions ce soir, monsieur ou madame. S'il vous plaît. Je suis là pour enseigner. J'ai un enseignement dans ma tête. Ça doit sortir. Ok? Donc, Salomon offrit 1000 holocaustes. Quand il offrait, David n'était pas là. Personne n'était avec lui. Sûrement, il avait ses employés ou bien ses... Ok, fait, on égorge 50 bœufs en même temps. Passé. On vient, on égorge encore 50 en même temps. Passé. On égorge encore, je ne sais pas, ça dépend. Bonsoir Yvette, la reine Curtis, bonsoir. Bienvenue. Je suis là pour vous sortir de la pauvreté. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour vous annoncer que la pauvreté est finie. La pauvreté est finie. La maladie est finie. Luc 4, verset 18. Vous n'avez pas besoin de souffrir. Continuons. Donc, à Gabaon, ça c'est le verset 5. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, tu rêves, tu vois une image dans ton... Écoutez, quand vous lisez la Bible, on ne peut pas te voler ton pouvoir, ce n'est pas la personne qui t'a donné. Il peut couvrir, il peut détourner pour l'instant. Mais ce n'est pas lui qui t'a donné. On ne peut voler que ce qu'on a donné. Tu te couches comme ça la nuit. Tu dors. Tu vois une lumière. Tu entends une voix qui dit, Jocelyne, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, oh, ça c'est le rêve. Tu te tournes encore. Dieu est venu te parler. Oh. Dieu est venu répondre à ta situation. Oh. Oh, c'est même quoi ça? Est-ce que Dieu parle dans les rêves? Voilà ça. On sait un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, demain. Vous comprenez, non? Je continue. Ce soir-ci, les gens qui vont écouter, vous allez me contacter. Je connais les miracles qui vont sortir de votre foi que vous allez mettre en pratique ce soir. Je connais le Dieu qui m'a appelé. J'ai accès directement au trône. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Je suis là ce soir pour vous sortir de votre ignorance. Qu'on est venu déposer sur vous parce qu'on avait besoin que vous soyez les esclaves. Continuons. Dieu dit, demande ce que tu veux que je te donne. Le chèque vide. Mets le montant que tu veux que je te donne. Verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, la justice et la droiture de cœur envers toi. Ceux qui étaient dans le groupe de prière de ce soir, comme on est en train de jeûner, on est à notre... On fait 30 jours de jeûne, je ne sais pas quantième journée. Je vous ai dit dans la prière de 18 h, nettoyez vos cœurs. Il y en a parmi vous êtes dans les mariages parce que vous guettez l'argent de l'homme là. Il y en a tu es dans la relation parce que ouais, tu veux seulement, tu veux faire l'enfant pour forcer le gars là à rester avec toi. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos cœurs. Rosa, bonsoir. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos cœurs. Mettez la droiture. Vous allez voir que c'est ça qui sera votre force. Tu vas rester la tête haute devant n'importe quelle entité. L'esprit de vérité, c'est l'esprit de Jésus. Satan ne peut rien contre vous. Peu importe le milieu spirituel où ils sont. Ah, elle vient dans la pureté. La vérité. Aïe, aïe. On ne peut rien. Elle connaît qui elle est. Elle connaît ce qu'elle porte. Souvent, elle vous salue. Vous les décepticons là, vous me regardez. Vous me guettez. Ceux qui sont avec moi sont plus que ceux qui sont avec vous. Vous devez connaître, ça doit être dans vos os. Là, que tu as dans le rêve, comme ça. Quelqu'un veut t'attaquer, tu te demandes que chacha. Non. Tu vois, ça va 50 anges qui sortent là-bas. Pardon, regardez les films chinois. Oh, Seigneur. Je vous sors de l'ignorance ce soir, je vous sors. Verset 6 disait ceci. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Vous allez rire. En riant comme ça, là, la vérité va entrer dans vous. Vous allez rire comme ça, ça va faire oups, ça va descendre, ça va faire oups, ça va descendre, ça. Vous allez vous lever comme ça, vous allez penser. You're gonna think right, man. You're gonna think right. Vous serez lucide. Lucide. Vous bagarrez souvent dans les rêves, non? Au lieu qu'on te poursuive, c'est toi qui vas maintenant poursuivre les gens. Moi, tcha, tu sautes ton épée comme ça, là, tu coupes la tête. Lui. Vous n'avez pas encore ri. Ouais, Seigneur. Je continue. Maintenant, 1 Rois 3, verset 7. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Il précise toujours mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas l'expérience. Vous me voyez comme ça là. Quand il me parle à mon père, je lui dis que papa, je suis une petite fille. Les décepticons sont derrière l'écran là, ils me regardent. Ils essayent. Mais ils ne peuvent rien, mon père. Mon père vous voit. Mon père vous voit. Mes anges vous chicotent. Il y a un décepticon là. Chaque fois qu'on se met, dès qu'il arrive à ma présence, on m'a dit, ah, messe. Ah, quand il arrive à côté, je suis fatiguée. Ah, je dis que c'est parce que tes intentions ne sont pas pures. Parce que tes intentions ne sont pas pures. Tu ne peux même pas te regarder toi dans les yeux. Parce que ton cœur là, c'est plein de mensonges. Tu veux me mentir. Quand tu as eu mes anges, je te check à distance. On abat tous tes faux trucs là. Ahmed, bonsoir. Erika, bonsoir. Morel, Jocelyne, bonsoir. Si je vous ai salué, je vous dis encore bonsoir. 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 La paix soit avec vous. Je dis toujours à Dieu que moi là comme ça là, si c'est seulement moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Seigneur, si tu me laisses là, je peux quoi sans lui? Regardez maintenant la prière. Verset 8, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Ha ha! Je suis au milieu des choisis, Seigneur. Tu m'as dit que je suis reine des choisis, me voici. Ce n'est pas moi qui me suis. Je ne me suis pas levée un bon matin et dit. Non. Je ne me suis pas assise sur la chaise. Maintenant, il dit que moi, Jocelyne, tu m'as mis au milieu des choisis. Ce peuple immense. Je n'ai même pas, vous n'avez même pas encore commencé à sortir de... Il y a les choisis dehors, là, sur la terre. Ils sont comme ça. Ils sont en train de souffrir. Ils ne se comprennent pas. On les menace. Ils ne connaissent pas leur pouvoir. Ils sont dans la pauvreté. Alors qu'ils ont les dons qui vont leur donner l'argent cash. Là. Ils dorment sur les canapés des gens. Ils sont en train de coucher avec les hommes pour qu'on leur donne les 500 francs. Ils ne savent pas qu'ils ont plein de business dans leur tête. Ma chérie, je vais te donner 500 € chaque mois. Viens coucher avec moi quand je veux. Tu ne sais pas que tu quittes l'homme là. En un mois, tu fais ton business 5 000 €. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne te connais pas. Oh. Seigneur, je dépose sur eux l'esprit de sagesse. Comme le serviteur de Géasi là. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, combien sont avec eux. Être une femme choisie, c'est difficile. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des gens qui vont être allumés à distance. Ah, hey, tu sais, ils viennent avoir les flatteries. Oh, regarde comment tu es belle. Waouh, ma reine. Oh, je peux détecter les compliments et la flatterie. Je suis jeune, mais je ne suis pas bête. Il n'y a aucune promesse que tu vas me dire que je ne connaisse pas déjà. Il n'y a aucune prophétie que tu vas me sortir que je ne connais pas déjà sur moi. Parce que je lis la Bible. I know the word. Je suis la parole. Je me connais. Know thyself. Know thyself. Connaissez-vous. Je dois de vous lire comme ça, c'est de vous que je parle. Le passage que je vous lis, c'est vous. Celui qui attrape, il attrape. Vous allez sortir, il y aura le feu sur votre tête cette nuit-là. Vous allez vous tourner comme ça, là, les idées de business. Idées de business, idées de business. Tu vas arrêter d'aller dormir chez le gars là. Tu vas arrêter d'aller coucher avec lui. Tu vas sortir de la maison du gars là. Oui, Suzanne, ils ont vu ta lumière, bien sûr. Ils ont vu ta lumière. Ils savent reconnaître. Ah, choisis un. Tu es quelqu'un que, généralement, les choisis sont très beaux. Les gens, quand on te regarde comme ça, on veut te regarder encore. Combien de... Donc, on dit que baisse. Je voulais seulement te voir. Bye bye. D'abord, une beauté là que... Tu as même 55 ans. Non, on veut seulement que te regarder. Mon club des choisis qui ont plus de 50 ans, là, bonsoir. Vous êtes toujours... Les gars de 25 ans vous dérangent chaque jour. Vous les chassez derrière vous. Ouais. Hey. Attendez, continue. Attendez, continue. Hey, il est choisi, mon frère. C'est trop sucré. La paix là, ça a le goût. Ça a le goût. Le goût de ça. Le goût de ça. La reine Mécatan, tu connais, non? Vous connaissez, c'est pour ça que vous riez. Vous connaissez. Souvent, tu restes là, tu regardes le gars. C'est que si j'accouchais tôt, c'est que mon deuxième fils à ton âge. Mais il est derrière toi, donc j'aime rester avec toi, j'aime te regarder, je veux dire que... Nyan nyan, oh, tu connais. Oh, les mains nyan nyan là-haut. Je vous ai provoqué. Je vous ai provoqué, non? Hey, non, laissez. Moi, j'ai toujours la conviction, hein. J'ai toujours la conviction. Parfois, lorsqu'on sait, un gars de 20 ans passe comme ça là. Et on a dit que la mère, je vois ton numéro. Je le regarde comme ça là. Je dis que ouais. Attendez, continue. Ne me fais pas de distraction, hein. Attendez, oh. Seigneur. Mais quand tu es choisi, tu vois ça, tu ris. Ça ne te... Tu es quelqu'un que tu as tellement de choses. Tu es comme ça là. Focus. I know what I have to do. Tu finis avec quoi? Marcia Feuillot, j'attends le smoothie. Tu dis que finis avec quoi? Ok, continuons la parole. Alléluia. Amen. Voilà, je continue. Seigneur, tu me fais enseigner, j'ai ri seulement comme ça là. Bon, Verset 8. Ton serviteur est au milieu de ce peuple que tu as choisi. Au milieu des choisis que tu as choisi pour me donner, Seigneur. Bonsoir la reine Anita Tagui. Et il lui dit maintenant, ce peuple est immense. Il ne peut ni être compté ni nombré à cause de sa multitude. Moi seul, je ne peux pas, Seigneur. Verset 9. Accorde donc à ta servante un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver dans la vidéo. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Ça va? Ça les bienvenus. Le direct va vous enlever de la pauvreté. Ça va vous enlever de vos 3 dragueurs qui cotisent, que vous cotisez l'argent pour payer votre loyer là. Je vais vous enlever de ça avec ce que je vous dis là. Quoi d'autre? Ouais, il y a plein de choses comme ça. Donc, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Eh Seigneur, il lance à dire que Jocelyne, toi tu me demandes seulement la sagesse. Waouh. Bonsoir Gaëlle, la reine Gaëlle. Bonsoir la reine Akono. Verset 11, 1 roi 3, verset 11. Je suis en train de lire la parole de Dieu. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, le mariage, les richesses, la beauté, voilà, j'agirai selon ta parole, Jocelyne. Et je te donnerai un cœur sage et intelligent. Dieu n'a pas regardé l'âge. Quand tu es sage dans les choses spirituelles, Dieu te donne, écoutez, les pauvres chrétiens là, quand vous venez dans mon direct, je vais vous montrer maintenant que la pauvreté n'est pas votre portion. Roi 3, verset 12. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, Jocelyne, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre. Bonsoir, monsieur Pacifique. Verset 13. Ce que tu n'as pas demandé, Jocelyne. Mettez votre nom sur ça. Et quand moi je lis la Bible, c'est à moi que Dieu parle. C'est pour moi. Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucune reine qui soit ton pareil, Jocelyne. Ça, c'est la parole de quelqu'un. Vous êtes parti dans l'église, on vous a dit que non, sois humble. Comment tu peux dire que tu vas être la femme, la reine la plus riche? What are you talking about? On ne sait pas un Dieu qui est limité. Écoutez-moi. Donc, votre vie en dépend. Votre pauvreté en dépend. Vous pouvez décider, vous partez faire les offrandes là vous-même. Je vous ai montré, je n'ai pas dit que venez me donner. Partez faire. Vous allez m'appeler, vous allez dire que tu m'as donné une parole un jour. Je suis aujourd'hui, je suis la femme la plus riche d'Afrique. Parce que j'avais pris ça le jour-là. Je suis partie, j'ai couru avec cette parole. Et il dit, si tu, verset 14, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Donc il ajoute même encore. Même à 107 ans, on va te draguer. J'ai l'idée, mon esprit là est mince. 107 ans, on va te mais les petits pères là, on me dit que la mère, comment? Tu vas encore aller au sport. Tu fais tes activités, toi. Hein? 106 ans, 107 ans. Tu pars, tu te couches, tu dors, tu meurs. Pas de maladie. C'est dans la Bible. Recevez pour vous. Moi, j'ai reçu ma part. Salomon s'éveilla. Et il oublia son rêve et il ne devint jamais prospère, il ne devint jamais sage. Non. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Pour lui, il avait sa réponse. Parfois, vous me faites les offrandes, vous voulez me harceler. Faites l'offrande, Dieu va vous répondre. Vous savez que moi, je vous apprends à vous connecter à Dieu. Je veux mon souhait. Quand quelqu'un m'appelle, il me dit que l'esprit m'a dit de faire comme ça, j'ai fait. Je suis contente, je souris comme ça là. Bon, mais c'est vrai que ça ne s'ouvre pas. Soyez connectés. Que ma reine, l'esprit m'a dit. Je suis restée, l'esprit m'a dit de faire. J'ai un mois d'affaires. Je t'appelais seulement pour te dire, mais bon, j'ai affaire moi. Oui. Oui. Arrêtez d'attendre. Salomon a fait son songe. Il est rentré, il a commencé à gouverner. Si vous regardez les prochains versets qui arrivent, on est venu avec une situation que oh, deux mères discutent un enfant, que oh, qui est la mère. Salomon les met là-bas par la foi. Il dit, bah, je ne connais pas. Hey, hein. Ça veut dire qu'il est rentré, une opportunité de business s'est présentée. Il a dit que je connais. Allez, je peux, oui, je peux vous donner, je connais. Oui. Quand vous faites l'offrande, Dieu vous parle. La prochaine chose qui vient, c'est l'opportunité de pratiquer ce que Dieu vous a dit, ce qu'il vous a donné. Vous m'entendez? Certains parmi vous, après vos offrandes que vous avez fait le mois passé là, vous allez vous lever, partir, commencer votre business. Lancez vos business en ligne. Lancez vos pages YouTube. Lancez-moi les bêtises. Je vous dis, c'est la parole de quelqu'un, soit tu peux lancer. Voilà Salomon qui a fait le Saraka. Lisez-moi le Saraka si là, pardon. Voici le Saraka que Salomon a fait. Quand vous, parfois vous me parlez, oh, je vous dis que va faire le Saraka au village. Oh non. Il a d'abord donné 1000 holocaustes. Dieu lui parle en songe. Il descend de la montagne, il arrive, dès qu'il arrive. Regardez ce que Salomon n'a pas fait. Verset 15. Salomon revient à Jérusalem. Il est quitté de sa ville. Il est parti dans une autre ville. Vous savez quoi? La prospérité qui vous guette. Même les maîtres spirituels qu'on a engagés contre vous là, ils ne peuvent rien. Le spirituel, ce sont les lois. Plonge dans la parole, tu vois. Mets en pratique. I search around, there's no one else like you. Lion of Judah, hey! Yeah, he has given me victory. Yeah, he has given me victory. Hallelujah. 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 Hey. La joie qui m'anime là. Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows, now I am free. Traduction française. Venez voir ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a pris mes larmes. Maintenant, je suis libre. Dès qu'il descend. Donc, vous allez vous habituer à faire la fête. Vous restez comme ça là. Tous les vendredis, tous les samedis, on sait qu'on vient chez vous. Il y a la fête, il y a le Saraka. Mais c'est comment on tue quel chèvre aujourd'hui là? Saraka, tous les vendredis, samedis. Quelqu'un passe, il vient prendre sa cuisse de chèvre chez vous. C'est dans la Bible, mes frères et sœurs. C'est dans la Bible. Pourquoi tu veux la bénédiction de Salomon, mais tu ne veux pas faire ce que Salomon faisait? Pourquoi? C'est pas de la bêtise. Tu n'es pas bête. Hein, ma sœur? Tu n'es pas bête. Hein, mon frère? Quand il parle comme ça, moi-même, le Saint-Esprit a de me checker. Que je sens que dans quelques jours, là, il va faire ça moi-même ici, là. Il va appeler que venez manger, venez prendre, venez partir, venez vous partir. Je donne, je donne, je donne. Je donne, je gagne. Sur une note un peu plus sérieuse. Beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués depuis des années. Vous aimez le marabout qui va vous dire, viens ici, tu vas te laver avec les poils de chameau à minuit 25 et 30 secondes. ça va ouvrir ton chemin. Je vais te lire un passage comme ça, tu vas dire, ah, moi je vais partir faire ce que l'autre là m'a dit, le Alamimboula. Ce n'est pas chaud. Il y a la clim. Il y a la clim. Je préfère qu'on me chauffe, on me montre ce que je dois faire, au lieu qu'on me laisse dans mon... Je suis tiède, ni chaud ni froid. Ma vie n'avance pas. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu as 40 ans. Je vais parler en faux français. Faisez la parole. Faisez. Faisez la parole. Tu te lèves et tu dis que je fais la parole, je fais. Je fais la parole, je fais. Chez les bonbons, tu donnes aux enfants, je fais la parole.